Et bonjour à tous les amis, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo découverte de jeu Grey Hill Incident. Il s'agit d'un jeu d'horreur et de survie basé sur une histoire sur une invasion extraterrestre qui se déroule au début des années 90. En tant que Ryan, équipé d'une batte de baseball et de quelques balles dans son revolver, l'histoire vous emmène à travers le quartier qui est envahi par les ovnis. C'est sorti le 9 juin 2023, c'est développé et édité par Refugium Game. C'est un jeu solo, c'est traduit en français. Il est au prix de 24,99€ sur Steam. Alors, ajustez le curseur jusqu'à ce que le logo de Refugium Game soit à peine visible. Ouais, on peut pas faire avec le... Ouais. Comme ça me plaît. Ouais, il est pas mal. Found footage mode. C'est quoi? Ah, c'est vraiment noir et blanc. Ouais, on va pas le mettre. Alors, on va faire les paramètres. Ok, allez, les paramètres sont faits, on peut se lancer dans le jeu, c'est parti. Grey Hill Incident. Guys, can you hear me? My husband said he spotted someone or something next to our car again. I know this sounds weird, but he said it looked like an alien. But they ran into the cornfields and disappeared. I'm going to call the police. Amy, don't. I don't trust the cops or the government, or anyone else for that matter. And you shouldn't trust them either. We created our neighborhood watch for this exact reason. Brandon, I understand the situation, but this needs to stop. It's also absolutely irresponsible to send Ryan out tonight. Amy, don't tell the officials anything. Otherwise, we all end up in the nut house. Are you trying to tell them we think there's little green men running around? Gray, Brandon. They are gray. The only thing we can do in our situation is to board up our windows and doors. I'll try to rest a bit. But Amy, trust me. You don't want to end up in the psych ward. The only way to escape was to... You've told your stupid story a thousand times. In Vietnam, we dealt with things worse than that almost every day. What does Vietnam have to do with it? Whatever. I always wear my tinfoil hat when I leave my camper van. I believe the aliens have the ability to control us through telepathic powers. I'm convinced that the hat protects me. Hey, guys. Henry's been acting strange since he came home from the forest this morning. I don't know what's going on with him. Ryan! Hey, my kitty cat's also behaving really strangely. And she hasn't come home yet. Please, look for her during your shift. I'm really lonely without her. Henry is more important right now. But if I find your cat, I'll let you know, Bob. All right. I'll reach out to the other neighbors. I'll tell them to board up all their stuff. The fact is, our government is hiding something from the people. Things like this just don't happen here in Grey Hill. It started with Roswell, and it's been increasing since the 60s. That is the way it is. Are you and your bat ready for the night shift? Ryan Baker, the King of Baseball. Yeah, Brandon. I am. Don't forget to visit us later, Ryan. We'll make some coffee for you. Ok, très bien. Yeah, sure. Thanks, Amy. Ouais, je crois qu'on va jouer clavier souris, ça va être beaucoup mieux.
endroit pour poser, ok. D'accord, on a la lampe comme dans Amnesia. Ah, on peut prendre là. Le père Graham m'a donné cette Bible depuis qu'elle nous a quittés, approuvée par le père Graham. Ok, par... Ouais, c'est un peu plus rapide, mais c'est pas non plus... Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Brandon a ramené plusieurs de ces lampes de poche du Vietnam. Nous les utilisons parce que les autres ont des problèmes la nuit. Je pense qu'elles fonctionnent grâce à la fonction manivelle, mais la dynamo ne fonctionne pas. Ah. Oui, elle a mis des marches. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là? J'ai acheté ce livre dans les années 80. Mon frère Bob a vécu une expérience similaire durant son enfance. James Freeman. Ouais. Histoire vraie. Ok. Bon. Alors, on va essayer d'appuyer un peu partout sur les boutons. Voilà, j'ai juste la gâchette de gauche pour activer la lampe. Tout ce que j'ai pour le moment. Bon, on n'a rien d'autre ici. Allez, on va partir. La porte, elle est là. On a une longue vue ici, rien d'intéressant. Là, on a dehors. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Henry. Tell me what you saw in the forest today. You should ask Rachel, that crazy girl. Henry, is someone in your room? Is Rachel in there? God, I hope not. You should stop bothering me. What's going on with you, Henry? Tell me. Who's there? I'm going to your room, Henry. Stay here. C'est qui claque la porte comme ça, là? Ok, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et l'autre qui reste couché là, comme un avatar là. Oh, tu veux pas te lever, m'aider? C'est quoi le délire là? Les personnes qui affirment avoir été enlevées par des extraterrestres rapportent souvent qu'elles ont perdu le temps. Ouais, elles sont devenues fous quoi. Ouais, c'est ça. Je peux pas allumer là? Non, rien qui marche. Ok. Someone was in your room. They went out the window. Il est sorti par la fenêtre, par là. On voit rien, c'est compliqué. Ce repas là. Qu'est-ce qu'on a ici? I shouldn't do that now.
faire ça maintenant. Bah, tu le fais quand alors? Qu'est-ce qu'on va... On va faire quoi? Il faut aller dehors. Il y a quoi ici? Ah, le chien n'est pas content, mais ce qu'il... Max, stop barking! Who's there? Is someone in the shed? Max, be quiet! Wow. What the hell? I need to find something to break this door. Qu'est-ce qu'il y a dedans? I need to find something to break this door. Il faut quelque chose pour casser la porte. Okay. Il faut une hache ou un truc comme ça. Ah ça, la pelle. La fourche, elle peut pas prendre la fourche. Attends, faut que j'augmente un petit peu la lumière parce que c'est vraiment compliqué là. Ah, il y a un tas de bois là. Est-ce qu'autour du tas de bois, il y a une petite hache? Waouh, c'est chaud. Hein. Qu'est-ce qu'on a là, la lumière? Un pied de biche. Je veux ça. Le pied de biche, comment je le prends? Voilà. Tu peux l'utiliser pour ouvrir les portes verrouillées. Ok, très bien. Alors. Oh, ça bouge tout seul, wesh. Non! No, Max! Sounds like the neighbors are boarding up the windows. I guess I should do the same. We should all do the same. Man, I hope this is over soon. What the hell was that light? Où ça, là-bas?
C'est la lune ou c'est pas la lune ça? Waouh, il est vraiment compliqué le jeu là. On voit rien. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On va avoir une lampe torche un peu mieux que cette merde là. Locked the door and ran out of the roof. It's okay, he's gone now. It was a strange light. Look, the TV. It's working now. Good evening, ladies and gentlemen. Lunatics and conspiracy theorists claim to have seen a UFO. The minority tries to convince other people that the small green aliens are real. The government checked into this incident and has announced that this UFO, fortunately, is just a weather balloon. This movement that you'll see in a few seconds is just a reflection on the lens of the camera. There is no reason to concern, and don't forget to be aware of the small green man in your backyard. Your Mr. Broker. Oui. Oui, enfin, c'était pas trop. That is not a weather. Ce n'est pas un ballon météo, mais non. Lying. The government is lying and they're trying to hide it from us. Brandon was right. They're already in Greyhill. We can't talk about it to the police. They'll just lock us up in a psych ward. Dad, we need to get out of this cursed place. I hate this neighborhood hole. Ryan, are you there? I'll go talk to Brandon. Comment j'ai la... La radio, je l'ai comment là? Bon, attends, c'est la lampe, on l'a déjà. Allez, la radio, ok. I'm here. Ryan, something is wrong with Joe Parson, the farmer, you know? He called me a few minutes ago. He was very afraid. Then the radio connection became broken off by something. He is working on the field near your house. You must check immediately what happened to him. Okay, I'll go check on him. By the way, someone was in Henry's room. They escaped out the window. I almost caught them in our shed. But there was a strange blue light. I'm sure they're here. Pull yourself together. Have you seen the TV news? No one will help us. We're all boarding up our windows currently. I know how to shoot because of the Vietnam War, and you can handle the baseball bat. We will overcome this night and drive to our holiday home by tomorrow. Don't forget how I shot your son's hat off while wearing it when I was drunk at the barbecue last summer. Brandon! Imagine how I still have to pay for that. Sober. Leaving town tomorrow sounds like a good idea. I'll keep you updated. Over and out. Ok. En tout cas, je veux bien une arme. C'est la bienvenue. Faut que j'aille où alors du coup? Faut que je sorte. Hein. Faut que j'aille voir. Est-ce que je vais voir? Voilà, on a ramassé le pied de biche ici. Ça, je peux pas le prendre, ça a l'air d'éclairer un peu mieux ça. Hein. Je peux pas le prendre ce truc. Oh, il y a une cabane là-haut. Ça va monter? Ok. On voit vraiment pas grand-chose, c'est chiant. Ah, portail. Thank you.
Attends, mais il a pas de portail, le gars, dans sa maison, là? C'est quoi, ça? Ah, voilà. Je passe par où, là? Par là? Ah non, il a pas de portail, le gars. Ah, là, il y a un... Non, c'est pas un portail, ça, en fait. C'est ça, son portail? Ah oui, il faut que je repasse par dedans. La porte, elle est de l'autre côté. C'est ça. Tout à l'heure, il m'avait dit de ne pas passer par là, d'attendre. Maintenant, je suppose qu'on peut y aller. Voilà. Donc, toujours pareil. On a le compteur ici. Très bien. Là, on a les WC. Qu'est-ce que j'ai à prendre dans la salle de bain, là? Rien à prendre ici. Ouais, y a rien du tout. Ok, très bien. Allons-y, une voiture. C'est quoi ce bruit? Pourquoi il vous dit d'appuyer sur A? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est petit, non, le mec là? Je suis où là? C'est quoi ce délire? Oh là là, l'histoire. Ok, bon. Elles sont mortes, les vaches, il y a plein de vaches couchées là. Ok. Ryan, is everything all right? Oh, le massacre. I don't think so. Damn it. Les vaches. Alors lui. Ouvrir ça. Thank you.
Welcome to Grey Hill. Okay. I think I'm going in the wrong direction. Ah ouais? Maybe I should turn around. Okay, so far. I shouldn't go that way. Ok, bon, on passe par là alors. On va passer par là. Bon, on a vu le tracteur. Parce qu'après, il y a les vaches là éclatées, mais je peux rien en faire de ça. C'est compliqué pour y voir quelque chose. Bon. Ok, donc du coup on a entendu un petit peu les aliens. Hein. Ouais, ça parle comme un dauphin. Par contre je peux pas éclairer. On voit rien du tout. On pète sur le pare-brise. C'est fait enlever du coup le Joe là.
Docteur Raoult. Vraiment dur ce jeu. Vraiment dur. Ah, il y a un truc bleu là-bas. Ouais, par contre, niveau endurance, c'est zéro quoi. Alors. C'est le chat. Salut le chat. What the is this Bob's cat? The hell is on her head? I mean, it looks like Kitty. I should bring her to his caravan. Ok. Eh bien, je vais t'amener là-bas. Ah, le chat, il en pucé, quoi. Par contre, je sais. C'est qui marche à côté de moi, là? C'est la vache qui fait ce bruit? C'est fermé là. Bah, c'était ouvert, non? D'accord, ça s'est ouvert ici, ok. Bon, c'est là chez toi, mon pote. He already boarded up his door weeks ago. I'll have to try the dormer window on his roof. Ok. Je rentre, ouais. Waouh, bon, le chat, j'aimerais bien le poser par contre. Je le mets où le chat? Suppois de. On s'en fout, on va éteindre le gaz là. Ryan, oh la la. Is this Kitty? My cat? Ouais. I caught her out in the field near the tractor. Oh, what does she have on her head? I don't know. It makes a strange noise. It sounds like electricity or something. Oh, and Bob. I had a strange encounter in my backyard. There was also some kind of weird electricity. I'll tell you about it later. Let's look at the cat. Put it on the table. I'll take a closer look. Sur la table, pas de problème. Ah, yep, je... Bob a écrit un livre sur son expérience d'enlèvement par des extraterrestres. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver d'éditeur. Ouais, mais je m'en fous complet. Je veux poser ton chat. It's like an implant, or some kind of probe. Ryan, I think they abducted Kitty. They had experiments. By the way, have
Have you boarded up your house? No. It's really dangerous in Greyhound these days. No, not yet. You should do it immediately. You need to wear a tinfoil hat. Your son Henry, too. They go into your brains by telepathy. Also, don't forget, don't ever tell anything to the police. As Brandon said before, the government knows it. Now, take this preparation for your walkie-talkie. The tinfoil's on the kitchen desk. Ouais, il a mis de l'alu partout, le mec. Ok, donc c'est sur la table, il dit, mais où? Ça, c'est son livre, hein, on est d'accord, on s'en fout. La préparation et l'alu, c'est où? C'est ça? Non. J'en aurais besoin ce soir. Ah ouais, merci beaucoup. Ah, c'est ça. Les aliens ne peuvent pas intercepter votre Takiwalki quand on l'utilise. Okay. Ryan, please check the monitors. Fast. Huh? What the hell is this? No, no. Ils sont là. Waouh, incroyable. Ça pique les yeux. Henry's alone at home. I have to go to him now. Yeah, but don't go the streets. Go through the barn and go to my caravan. I've got a camera. I'm gonna record the UFO. This will be the perfect compliment for my documentation. And then I'm coming over. Break down the door with your baseball bat and take care. Okay. Okay. Je sors par où là, mon ami? Je sors par là ou... Ok. Va faire. Henry, can you hear me? Ah, je veux regarder, moi. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Faut que je passe par la grange, il a dit. J'ai pas visité la grange. Bon, quand même spécial, faudrait que je monte peut-être. Allez, on va monter. Je vois rien. Je vois rien. Ok. On va s'accroupir. Pas de dégâts de chute, c'est bon à savoir. Alors que c'est quoi ça? Alien in the Cornfield.
Dans le champ de maïs. J'ai vu ça hier, vous devez le signaler à Brandon demain. Il s'est écrit une note, je pense qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Ok. Ouais, très bien. Pas. Merde. Y'a pas un truc à faire avec cette remorque là. Ouais, bon, en fait, je suis monté pour rien. Où je passe là. Comment on monte, est-ce qu'il faut que je monte, je ne sais pas. Ah oui, par là, ok. Oh, sérieux. Ok. Tout, hein. Je vais pas passer là-dedans. Bon, bah allez, on y va. I think I remember there being a fence through the cornfield. I just need to get around the silo over there. Ok, mais faut que je le trouve aussi. Là. Allez, on va tout droit. Ah, il est dingue ce jeu. Ok. Un silo, ça. Je dois contourner le silo, mais il est où le silo? Ah, ça c'est le silo. Avancer plus. Je peux pas le contourner. Ouais, là j'avance, ok. Je dois le contourner donc. Bon. Il est où? Ah, il est juste là. La maison. Oh, le drôle, il aspire. Oh, l'histoire.
droite. Oh putain, il manquait plus que les flics. Ah, par contre, il fait 3 pas, c'est chiant. Il court 3 pas, le gars. Oh, la police. Il est où? Top secret. Toujours là, lui. Le chat toujours là. Ouais. Un truc là, non? Ah non, c'est le reflet, rien d'important. Bon, du coup, police, on peut rien faire, on peut pas ouvrir le coffre, pas ouvrir les portes. Retourne à la maison, on va voir s'il y a quelque chose de changé. Pas l'ordinateur là. Ah ouais, le jeu il est quand même... Je vais noter tous les incidents de cette nuit ici. Ok. Par contre, c'est un peu lent là. Bon. Cette porte ici là. Ah oui, la cuisine. Bref. Mais comment il a inspiré? Il a inspiré par où? C'est fou. Premier étage. Ah, c'est vraiment sombre, je le dis, je me répète, mais c'est vraiment très très sombre, c'est vraiment incroyable. Je conseille de mettre la luminosité au départ un peu plus haute que moi. Bon, enfin bon, je sais pas où je suis.
drôle, il est parti. Elle est fermée cette porte maintenant. Ok. J'arrive d'où du coup? J'arrive de là. Du maïs là. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, complètement bloqué. Je ne sais pas. La maison elle est là, ok. Bon, de toute façon, il n'y a pas de. On s'en fout. Ouais, je vais pas faire le tour. Je vais repasser par là, je vais voir. Voir mon pote. Là, il n'y a rien à faire ici. C'est fermé. Ah, c'est. Il y a un truc avec la voiture de police là. C'est sûr. Ah, on peut passer par là. Ben voilà. Toi, je prends. Voilà. Et là, top secret. Alors. Invasion extraterrestre. Attendu à Green Hill le 11B92. Maintenez quoi? Why is there a secret file of Grey Hill in a police car? This doesn't make any sense. Ah, ça n'a aucun sens, ouais. Et on peut pas l'ouvrir. Ah, je peux pas l'ouvrir. Bon, en tout cas, j'ai un calibre. Comment j'utilise mon calibre? Retour. Ah, ça c'est chiant, on peut pas faire la manette. La voiture a été pilotée toute seule ou quoi? On dirait. Hein. On dirait qu'elle a été contrôlée à distance. Bon. Ouh. Le chat. Le chat, il est parti. Ok. Le chat, il est parti.
ramener, tu crois? Je sais pas. Waouh, ce jeu, il est complètement fou. Bon, allez les amis, on va se laisser là pour cette découverte de jeu. Il est vraiment pas mal. Il est plein d'énigmes. Il est vraiment plein d'énigmes. Un peu trop sombre à mon goût. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est pas un genre de jeu qui fait ultra peur. Il est plutôt surprenant. Il y a beaucoup de choses à chercher. Allez les amis, je vous laisse là. Pensez à vous abonner, à mettre un like à la vidéo. Activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez pour me dire si vous connaissez ou pas ce jeu, si vous l'avez fait, si vous terminez, etc. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.